Pour ceux qui n'étaient pas là, for those who were chacun not, doit avoir 10 requêtes. For those who were not here yesterday, we said that we should have 10 prayer topics. Des choses qu'un homme ne peut pas accomplir pour toi. Things that a man cannot accomplish for you. Et pendant que les offrandes sont en train d'être collectées, while we are collecting, making the collection of money, ceux qui n'ont pas encore écrit leur requête, those who have not written their prayer topics yet must do it. Dès que tu donnes ton offrande, tu continues dans la prière parce que nous avons déjà commencé. As soon as you give your offering, you continue in prayer because you have already started. Dès le premier témoignage, le combat débuté dès le premier témoignage. The battle started since the very first testimony. Et si tu as un témoignage, if you have a testimony, rends ce témoignage. Come and testify. C'est pour la gloire de Dieu. It's for the glory of God. Mais si tu ne fais pas attention, but if you don't pay attention, le diable peut t'envoyer perdre le temps des frères. The devil can bring you to waste time to the brethren. En racontant une longue histoire. By telling a very long story qui n'édifie pas. That do not edify. Pour des gens qui jeûnent, for people who are fasting, pour renverser les principautés, to overthrow principalities, il faut qu'ils marchent les yeux ouverts pour voir les miracles que Dieu accomplit en relation avec ce sujet-là. They must walk with eyes open in order to see what God has done related to that topic. Nous ne demandons pas tous les témoignages, tout, parce qu'il y a plusieurs types de témoignages. There are many types of testimonies. Il y a les témoignages de conversion. There are testimonies of conversion. Il y a les témoignages pour encourager les saints, les frères. There are testimonies to strengthen the brethren. Il y a les témoignages pour adorer Dieu. There are testimonies to worship God. Il y a les témoignages d'action de grâce. And there are testimonies of thanksgiving. Dieu m'a donné le pain aujourd'hui. God has given me bread today. En une minute, tu as déjà rendu témoignage. In 1 minute, you have already testified. Quelqu'un qui était dans la voiture, Dieu l'a sauvé. Somebody was in a car, God has saved me. Il peut rendre ce témoignage en une minute. He can give this testimony in 1 minute. S'il dit le chauffeur était assis, je l'ai vu enlever son pied sur le frein et puis il a pris un peu l'embrayage. Les gens qui étaient dans la voiture ont tremblé un peu. Et mon cœur a fait tout, tout, tout. Quand tu fais tout ça là, tu perds le temps. If you say that I saw the driver removing his feet on the brake, doing this and that, and people were shaking, and my heart beat it. All this is to waste the time of the brethren. Et maintenant, comme je disais à la sœur Irène, que ceux qui sont mes disciples avant de venir respirer bien. And as I was telling Sister Irène, those who are of my disciples, before you come here, you have to breathe well. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ce passage est un encouragement pour tous les saints. This passage is an encouragement for all the holy ones. Jésus est le souverain sacrificateur. Jesus is the high priest. Il est monté au ciel, la Bible dit, il a traversé les cieux. He went up to heaven. He went through heavens. Et il s'est assis à la droite du Père. And he sat at the right of the Father. Et de là,
And from there, il intercède pour nous. He intercede for us. Il intercède pour nous. He intercede for us. Il a vécu sans péché. He lived without sin. Il est qualifié. He's qualified. Il est digne. He's worthy. Et puis il est bon. And he's good. Toutes les tentations que nous connaissons sur la terre, il les connaît. Toutes les tentations qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu peut connaître, Jésus-Christ les connaît. All the temptations that a son of God can know on this earth, Jesus knows them. Mais il a vécu sans péché. But he lived without sin. Tu dois t'approcher de lui. You must draw near him, sachant qu'il est bon. Knowing that he is good. Il est compatissant. He is compassionate. Il intercède pour nous. He intercedes for us. Quand nous nous approchons de lui, when you come, you draw near nous savons très bien que c'est lui notre souverain sacrificateur. We know it well that he is the one who il is our high priest. Prêt à nous secourir dans nos besoins. Ready to help us in our need. Il dit, he says, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. He says that let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dans nos combats, in our battles, dans les maladies, in sicknesses, dans les infirmités, in infirmities, dans les détresses, in troubles, Jésus-Christ, Jesus, est prêt à nous assister. Is ready to give us assistance. Il a payé le prix. He paid the price pour occuper cette place pour nous. To find this place for us. Alléluia. Praise the Lord. Même si tu as signé un pacte avec le doute, even if you have signed a covenant with doubt, déchire-le ce soir. Tear it tonight. Une jeune fille m'a écrit sur WhatsApp. Dit, comment on fait pour avoir la foi? A young lady wrote to me and asked me, how can we do to have faith? Je lui ai dit qu'il y a une seule chose que tu peux faire. I told him that there's only one thing you can do. C'est de croire la parole de Dieu. Is to believe the word of God. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what you hear. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And what de la you parole hear, de Christ. What you hear is from the word of Christ. Et je lui ai dit une autre chose que tu dois faire. And I taught her that the other thing you must do, c'est de protéger ta bonne conscience, is to protect your good conscience. Parce que si tu commets les péchés, because if you commit sins, ton cœur va t'accuser. Your heart will accuse you. La Bible dit que si ton cœur qui est petit te condamne, the Bible says that if your heart which is small condemns you, la Bible dit que si ton cœur qui est petit te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. If your heart, which is small, condemns you, God is greater than your heart. Si tu gifles un frère, if you slap a brother, tu peux essayer, tu gifles un frère et puis tu te mets à genoux. You can try it. If you slap a brother and you kneel to pray, ta conscience sera agitée. Your conscience will be restless. Il n'y aura pas de point de fixation de la foi. Ta foi ne pourra pas se former. Your faith will not be able to form. Mais si on te gifle, tu dis gloire à Dieu. But if they slap you and you say glory quand to God. Quand tu te mets à genoux, il y a l'allégresse en toi. When you kneel down, you feel you are happy. Parce que tu n'as pas péché. Because you didn't sin. Ça c'est ce que l'homme doit faire. That's what man must do. Deux choses. Two things. Croire à la parole de Dieu. Believe the word of God. Protéger sa bonne conscience. And protect your good conscience. Le reste, the rest, c'est le Saint-Esprit qui travaille. It is the Holy Spirit that works. Parce que dans le fruit de l'Esprit, because in the fruit of the Spirit, il y a la foi dedans. There is faith in it. Quand le Saint-Esprit est rempli, when the Holy Spirit is filled, dans un croyant, in a believer, la foi se développe. The faith will develop. Là, ça ne dépend pas de toi. Là, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. At this level, it's the Holy Spirit that produces. Ce que toi tu dois faire ce soir, what you must do tonight, tu crois à la parole. You believe the word. Verset 15. Verse 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but
but was in all points tempted as we are, yet without sin. Donc, reste calme. So remain calm. Parce que quand nous allons nous lever, because when we rise up, c'est pour présenter nos besoins à Jésus. Is to present our needs to Jesus. Et ça, c'est le premier niveau de la prière. And this is the very first. Le niveau suprême de la prière. Is the supreme level of prayer. Quand tu parles au Père. When you speak to the Father. C'est le niveau suprême. C'est-à-dire, c'est le niveau numéro un. That is the level number one. Nous chassons les démons, nous jugeons les choses. Ça, c'est les numéros deux. We cast out demons, we judge them. This is number two. Nous exerçons l'autorité sur la nature et le surnaturel. Ça, c'est le numéro trois. We exercise authority over nature and supernatural. This is number three. Ça veut dire que ça, c'est si on doit classer les nuits, les nuits de prière ou les journées de croisade, ça, c'est le jour le plus élevé. If we have to make a classification in the days in the days of the crusade, this day is the highest one. Les enfants vont entrer dans la présence de leur père. The children will get into the presence of the father. Ils n'ont même pas besoin de crier fort ou de s'agiter. Vous voyez comment nous sommes assis. They don't even have to shout aloud. Approchons-nous de lui avec assurance. Let's come near him with assurance. Approche-toi de lui avec assurance. Come near him with assurance. Approche-toi de lui avec assurance. Come near him with assurance. Ne viens pas comme un petit esclave. Do not come as a small slave. Et c'est le niveau de prière qui demande aussi beaucoup de révélations. And it is the level of prayer which requires many revelations. Parce que because beaucoup ne se connaissent pas. Many do not know that. Beaucoup ne connaissent pas leur rang spirituel. Many do not know their spiritual ranks. Beaucoup ne connaissent pas les avantages qui sont attachés à l'appel. Many do not know the advantages that are bound to the call. Lis pour nous Ephésiens chapitre 1 verset 15 à 22. Read for us Ephesians chapter 1 reading from verse 15 to 22. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alléluia. Praise the Lord. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Apostle Paul tells Ephesians, que depuis que je suis informé que vous avez cru en Jésus, since you've believed in Jesus, j'ai commencé à prier pour vous, I started praying for you, pour que Dieu ouvre vos yeux, for God to open your eyes, pour que vous voyez la richesse qui s'attache à l'appel, for you to see the riches that is bound to the call. Alléluia. Praise the Lord. Verset 18. Verse 18. Verset 17 d'abord. Verset afin 17. Que Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Praise the Lord. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'apôtre dit que the apostle says, la puissance qui a ressuscité Jésus, the power that raised Jesus up, c'est la même puissance que Jésus nous a donnée pour évoquer son nom et pour juger les esprits. It's the same power that Jesus gave us to call upon him and to judge spirits. C'est la puissance de Dieu. It's the power of God. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Quand tu sais ça, when you know this, tu dois croire à la vie. You must believe in life. En Jésus Christ. In Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même si tu as toutes les maladies, even if all the sicknesses are gathered in you, là tu n'es pas en train de parler à un homme. Here you are not speaking to a man. Tu n'es même pas en train d'exercer l'autorité. You are not even exercising authority. Pour qu'on puisse dire que tu n'as pas bien exercé. So that we can say that you tu are es being... en train d'appeler ton père. You are calling your father. Qui a ressuscité Jésus, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Who rose Jesus from the dead. Il dit, approchons-nous de lui. He said, let's draw near him. Il y a des moments où c'est nous-mêmes qui travaillons. At sometimes we are the one who works. Mais ce soir, but tonight, c'est que tu viens avec tous tes bagages. Is that you come with all your languages. Tes chaînes et tes liens. Your chains and your bandages. Tes besoins. Your needs. Tu dis à ton père que voici comment je reviens de l'esclavage. You tell your father that see the way I'm coming from bondage. Et comme à la parabole du fils prodigue, and as the parable of the prodigal son, il va demander qu'on enlève tes haillons. He will say that we should remove your hugs. On te donne des souliers. And give you la nose and rings. Qu'on te restaure. That will restore you. Il va demander qu'on tue un veau gras. He will ask that they kill a golden calf. Tu seras là seulement pour regarder. You will just be there to look. Hallelujah. Praise the Lord. Approche-toi de lui. Come, draw near him. Avec assurance. With assurance. C'est la clé de ce soir. It's the key for tonight. Approche-toi de lui. Draw near him. Avec assurance. With assurance. Mais s'il y a un petit problème, if there is a little problem, résous ça vite. Lis pour nous Hébreux chapitre 10 verset 22. Solve it very quickly. Read for us Hebrews chapter 10 verse 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. The heart cleans from a bad conscience. Si tu sais, if you know, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, that there's something wrong, dis au Seigneur, pardonne-moi. Tell the Lord, forgive me. J'arrête, c'est fini. I stop, it's finished. Ici, c'est un terrain de vérité. Here is the land of truth. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Purify heart. Il ne faut pas que ton cœur te condamne. Your heart must not condemn you. Il ne faut pas que ton cœur te dise que, n'est-ce pas, tu t'es masturbé cette nuit. Your heart must not tell you that you masturbated yourself tonight, last night. Tu seras enlevé de la bataille. You will be removed from the battle. Il ne faut pas que ton cœur te dise tu n'as pas pardonné. Your heart must not tell you that you didn't forgive. Il ne faut pas que ton cœur te dise tu es orgueilleux. Your heart must not tell you that you are proud. Il ne faut pas que ton cœur te dise tu es rebelle. Your heart must not tell you that you are a rebel. Donc prenons 2 minutes pour régler ça.
So let us take 2 minutes to settle this matter. Si le Seigneur te demande quelque chose, il faut obéir. If the Lord asks you to do something, you must obey. Même si tu as souvent refusé, ce soir, il faut obéir. Even if you have often refused, tonight, you must obey. C'est nous qui serons les gagnants. We are the one who will be the winners. Maintenant, commence à lui dire merci parce qu'il n'est pas sourd. Now start thanking him because he's not deaf. Maintenant, sors tes requêtes, tu les regardes, tu les parcours, tu dis Seigneur, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin. Avec assurance. Now you take out your requirements. Et tu écoutes le Saint-Esprit. You take out your topics, your prayer topics, and you say, Lord, I need this, I need this. Tu peux ressentir en toi que Dieu résiste, qu'il résiste. And God will listen to you, and you can feel in you that God is resisting. Et tu peux engager une conversation avec lui. And you can start a conversation, a talk with him. Dans le but d'obtenir sa grâce. In order to obtain his favor. Si tu veux vomir, tu vomis sur place. If you want to vomit, then you vomit on the spot. On the place. Les frères ne vont pas te critiquer. The brethren would not criticize you. Parce que Dieu peut t'exaucer et ordonner à un démon de quitter ton corps. God can grant you by commanding a demon to get away from your body. Un démon même peut découvrir que c'est devenu très sérieux et décide de s'en aller. Even a demon can discover that it has become so serious and decide to go. Qu'il s'en aille. Let him go. Mais reste concentré. Je vous ai dit que certains démons vont comprendre que le temps de partir est arrivé. I told you that some demons will understand that the time for them to go has come. Parce que ce sujet de prière nous place devant Dieu lui-même. Continuez seulement à parler à votre Père. Continue to speak with the Father. Approche-toi de ton Père avec assurance. Dis, oh Père, say, oh Father, exauce-nous. Grant us. Exauce-nous. Grant us. Nous sommes tes enfants. We are your children. Tu connais nos combats. You know our battles. Tu connais nos tentations. You know our temptations. Tu connais nos épreuves. You know our tests. Tu connais nos maladies. You know our sicknesses. Tu connais nos infirmités. You know our infirmities. Exauce-nous. Grant us. Continue à intercéder. Continue to intercede. Dis, oh Père, say, oh Father, exauce le jeune converti. Exauce le jeune converti. Grant the young convert. Exauce l'ancien. Exauce ton peuple. Grant your people. Continue à intercéder. Continue to pray. Dis, oh Père, say, oh Father, brise les appuis d'orgueil, break pride, anéantis les résistances, and destroy the resistance. Exauce-nous, grant us, libère ton peuple, release your people, de toute oppression, libère ton peuple, release your people, de toute angoisse, from de toute frayeur, from any, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, continue à prier, continue to pray. Oh Père, say, oh Father, viens à notre secours. Come and help us. Viens à notre secours. Come and help us. Dispose
disperse les troupes ennemies. Scatter the troops of the enemies. Retourne les armes contre eux-mêmes. Turn their arms against Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. 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 Grant us. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous renversons les obstacles. We overthrow obstacles. Les obstacles à l'exaucement. Obstacles to our granting. Nous les renversons. We overthrow them. Nous les brisons. We destroy them. Maintenant continue, dis Père, exauce-nous. And continue to say, Father, exauce-nous. Prions Allah, prions Allah. Let's pray in tongues. Let's pray in tongues. Guéris les malades. Heal the sick. Libère les captifs. Dis, oh Père. Oh Father. Exerce la vengeance. Dis, Père. Say, Father. Tu as promis. You promised. Que tu jugerais l'ennemi. That you shall judge the enemy. Et que ton peuple sortirait avec de grandes richesses. And you say your people will come out with great riches. Dis Père. Say Father. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. It's not what that we have seen. Parce que l'ennemi veut retenir nos biens. The enemy wants to withdraw us. Exauce-nous. Grant us. Libère-nous. Release us. Totalement. Totally. Brise les résistances. Break resistances. Disperse les ennemis. Scatter the enemies. Continue à prier. Continue to pray. Dis, oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Sois jaloux de ta gloire. Be jealous of your glory. Au milieu de ton peuple. In the midst of your people. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que ta gloire remplira toute la terre. That your glory shall fill the whole world. Exauce-nous, Père. Grant us, Father. Introduis-nous dans ton repos. Introduis-nous dans ton repos. Grant us. Continue à prier. Continue to pray. Guéris. Quelle que soit la maladie. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Grant us. Prions en langue. Let's pray in tongues. Dis, oh Père. Say, oh Father. Agis de telle sorte. Work in such a way. Tous diront c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Dis, oh Père. Oh Father. Agis à la hauteur de ta grandeur. At the level of your greatness. Qu'aucun ennemi ne reste debout. Let not soient tous renversés. Let them all be overthrown. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Continue à intercéder. Continue to pray. Dis Père. Say, Father. Merci. Thank you. Merci. Parce thanks. Que tu n'es pas sourd. Because you are not deaf. Et tu n'es pas aveugle. And you are not blind. Et ta main n'est pas courte. And your hand is not short. Maintenant, lève ta main droite.
Now raise your right hand. Dis Satan. Say Satan. Ne te tiens pas sur mon chemin. Do not stand on my way. Je sais que mon père m'a déjà exaucé. I know that my father has already granted me. Tu ne te tiendras pas sur you mon chemin. You shall not stand on my way. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je chasse tout démon. I cast away. Je chasse les esprits humains. I cast away every spirit. Je brise les obstacles. I break the obstacles. Je proclame. I proclaim. Que ce que Dieu a libéré pour moi ce soir. That what God has released for me tonight. Va s'accomplir sans will opposition. Be fulfilled. Dis, je lève la main vers les lieux célestes. Raise my hand to the heaven. Je lève ma main vers les lieux célestes. I raise my hand to the au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je renverse tout prince satanique. I overthrow any prince. Je renverse tout prince satanique. I overthrow any satanic qui tenterait de barrer la route à la bénédiction. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je dirige mon jugement dans les eaux. I direct my judgment in the water. Je frappe. I strike. Je juge. I judge. Toute puissance des ténèbres dans les eaux in the waters. Et dans les lieux plus bas que les eaux. Je proclame que ce que Dieu m'a donné, that what God has given me, personne ne doit venir des eaux. No one can come from the waters. Ou ne doit venir de sous les eaux. Or under the waters. Pour s'opposer à la parole to de Dieu. Oppose the will of God. Pour s'opposer à l'exaucement. To oppose the implanting. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je dirige mon jugement dans le séjour des morts. I lead my judgment in the hate. Je renvoie dans le séjour des morts. I bring back in the hate. Tous les esprits de mort. All the spirit of death. Et qu'aucun ne s'oppose à la bénédiction. Aucun ne s'oppose à ma bénédiction. Je dirige mon jugement dans les abîmes. Je renvoie dans les abîmes. I bring them in the abyss. Toute puissance d'opposition. Any power of opposition. Et j'ordonne que les abîmes se rabaissent encore. While their abysses are getting down. Ils sont encore plus bas, plus bas, plus bas. Down and down. Et que l'intérieur soit enveloppé des chaînes de ténèbres. Let the inner side be pour garder captifs les esprits rebelles. So that the captives. Et au nom de Jésus, in the name of Jesus, je dirige mon jugement. I lead my judgment dans les lieux arides. In dry places. Qu'aucune force ne vienne des lieux arides. Let any pour s'opposer à ma bénédiction. And oppose my blessing. Je proclame I proclaim que notre Dieu est fidèle. That our God is faithful. Quand ses enfants l'invoquent, il l'exauce. When his children call upon him, he answers. Dit, mais nous savons but we know que l'accusateur, le voleur, that the accuser, the thief, tentera de toucher à nos biens. We try to touch our wealth. Nous te jugeons. But we judge him. Nous te dispersons. We scatter you. Nous t'écrasons. We crush. Nous t'anéantissons. We nous proclamons au nom de Jésus que même le plus faible parmi nous est fort. Is strong, is strong. Et toi-même proclame que Dieu, tu es fort. Dis, je suis fort. That you are strong, you are strong. Je suis fort, je suis fort. Dis au nom de Jésus, je proclame I proclaim que je suis fort. That I am strong. Je suis vainqueur. I am overcome. Je peux recevoir. I can receive. Et je peux conserver. And I can keep. J'ai reçu. I have received. Et je conserverai. And I shall keep. Prie en langue. Pray. Onduro bakaseri kabaka sara kama seberi kabala sema uria bakaseti rivai kavini uria bakasanda kiri valtara wasiyana uria bakaseri kabala kusala na uria bakashi karabala mana na uria bakalakashi 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 bakalakashi. Let's get seated. Garde le calme. And keep calm. Gloire à Dieu. Après les nombreux sujets de prière, le Seigneur dit: vous verrez ma gloire, vous verrez ma gloire, vous verrez ma gloire,
Vous verrez ma puissance. Vous verrez ma puissance. Vous verrez ma puissance. Vous verrez mon règne. Vous verrez mon règne au milieu de vous. Amen. Gloire à Dieu. À la fin de la prière, j'ai reçu dans mon esprit de façon claire, je suis le Dieu qui exauce. Je vous exauce, vous le verrez s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jean Clovis, disciple du pasteur Eli Godi. Et quand on a fini de prier, quand je suis resté un moment devant le Seigneur, j'ai reçu une seule phrase. Le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple que je l'ai exaucé. Gloire à Dieu. Mon nom c'est Goto Cécile. Mon frère Dieu, c'est la sœur Séverine. Et quand on priait tout à l'heure, j'ai reçu les messages. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Vous êtes élus de Dieu. Qui va vous accuser? Qui va vous accuser? Qui va vous accuser? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom c'est le frère Akagnon Paul Henry. Quand le pasteur a dit restez calme, une voix m'a dit soyez obéissant, restez calme, je suis avec vous. Amen.